sur la piste de l'Orgeas. 11 km 5 de long, 900 mètres de dénivelé. On n'en est pas à la moitié. On va y arriver. Toujours dans la montée de l'Orgeas, plus qu'un travers, on y est presque. On voit d'où on vient, où on va. Alors, dernier travers pour Robert, et voilà l'endroit où on va. Je vous le montre. Alors voilà, entre les deux arbres, la petite pointe que l'on voit là, c'est notre destination. Pour ça, il va falloir faire un sacré tour parce que, vous le comprenez bien, c'est derrière ce vallon-là. Ah ben là, on le voit bien en face. Arrivé au col de l'Orgeas. Arrivé à Pis-en-l'Air. Pas tout à fait d'ailleurs, mais presque. Mon GPS il est un poil plus petit, 2. Donc je vais laisser où elle était. Il y a 22 euros, je préfère avoir acheté un sac à Decathlon à 29 quoi. Alors un petit passage délicat là, que j'ai bien sûr fait sur le vélo. Ouais, sûrement, ouais. Ça la voit rien. Et on va juste sur la petite bosse. Une belle chute après. Allez, on reparle de la barre de Pis-en-l'Air. On est quasiment arrivé où on voulait. Il n'y a plus qu'un peu de descente et un peu de remontée. Pis-en-l'Air, c'est la barre là. Allez, je les suis. Cette fois, Pis-en-l'Air, on y est. Et on descend. Là. Ensuite. La petite pointe là-bas. Comment est le poteau ? Ça vient. La photo. Bon, ça va grandir, il est pas ici. Elle est belle celle-là là-bas, elle prend bien. On n'y est pas encore, hein ? Ça là-bas. T'as dit un peu où c'est qu'on allait toi... Rien, dis-moi. Eh ben dis-le. Dis-le toi. Eh ben on va là-bas. Tac. Là. Bah alors, on a tout vu. Oh, bah tu enlèveras. Bah non.
Et alors Thierry, qu'est-ce que t'en penses? Le couleur, super. Ouais, de toute façon c'est joli ça, c'est sûr. Et si on faisait la crête là, regarde, c'est plus court. Ouais.